Les Halles, prospères montagnes transformées en banquise, le temps de la magie de Noël. Rêve de glace, c'est le nom de cette exposition de culture sur glace. Ours polaires, manchots, rennes et autres Père Noël plantés au milieu de sapins. Tout y est pour transporter le visiteur dans une féerie artistique glacée. Une installation qui aura nécessité quelques défis techniques. Un nombre de blocs de glace, c'est une douzaine. Une vingtaine de mètres cubes de glace qui ont été taillés par deux sculpteurs sur trois jours, deux professionnels de la taille de glace et deux sculpteurs sur glace. En trois jours, ce sont des gens qui font ça dans toutes les plus belles expos en France et même dans les pays limitrophes. On est à environ 2 degrés, mais comme la salle est naturellement un petit peu froide, pas chauffée en pierre, elle est naturellement froide, c'est pas trop compliqué. Et les visiteurs n'hésitent pas à braver le froid jusqu'à moins 7 degrés. Mais petits et grands que nous avons rencontrés semblent conquis par ces chefs-d'œuvre glacés, avec une mention spéciale pour la licorne. Ben, je suis venue voir les belles sculptures. J'ai bien aimé la licorne. Les sculptures. La licorne. J'ai venu voir les sculptures. Qu'est-ce que tu as aimé? La licorne. L'impression quand on rentre. Froid, très froid, mais ça va. C'est joli après. C'est sublime, c'est tellement bien fait, les détails sont magnifiques. C'est vraiment sublime, mais vraiment. C'était superbe quand on vient, à chaque fois c'est trop beau. Je suis auxiliaire de vie à Carcassonne et j'amène le monsieur faire un tour aux sculptures de glace. Et c'est magnifique. C'est très beau à voir, ouais. C'est super, ça fait. Ça fait une drôle d'impression, c'est bien. Rêve de glace, une exposition à voir jusqu'au 5 janvier 2020.